Les syndicats ont donc décidé en front commun qu'il n'y aura pas d'autres actions d'ici le mois de janvier. Mais quoi qu'il en soit, syndicats et patrons devront tenir compte d'un phénomène relativement neuf, l'influence des réseaux sociaux. Les piquets de grève, les débordements, la colère des uns et des autres ont été relayés et abondamment commentés sur le net avec parfois l'effet d'un miroir grossissant. Anne-Catherine Crouffer. D'un côté, un magasin namurois, de l'autre, l'université de Liège. Deux lieux où plainte a été déposée. 30 personnes ont fait irruption dans le bâtiment, ont molesté des agents, ont détruit du matériel, ont ouvert des extincteurs, ont répandu le liquide partout et ont abîmé des ordinateurs. Est-ce qu'on sait qui c'est exactement ? Alors, ils étaient cagoulés, donc il est difficile de les identifier. Bon, ils étaient revêtus de l'habit classique des manifestants. C'est la première fois que l'université est victime de tels actes. Ils ont utilisé des extincteurs, ils les ont vidés dans les couloirs. Donc c'était assez, je dirais, impressionnant. Par ailleurs, les personnes qui tentaient de résister ont été molestées. L'université dépose plainte. Très très vite, les informations sont diffusées sur le net. Scénario similaire à Namur. Le magasin H&M a subi des dégradations, des photos qui ont rapidement été publiées sur Facebook. Ils ont d'abord bloqué l'entrée du magasin, donc les clients qui étaient à l'intérieur ne pouvaient pas sortir, les clients qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas rentrer. Et puis ils ont poursuivi, ils ont donc jeté des vêtements par terre. Et là, nous avons pris la décision de fermer le magasin, d'évacuer les clients. De manière informelle, on nous précise qu'il n'y a quasiment pas de plaintes déposées. Ce lundi 15 décembre, très peu de débordements qualifiés de très graves, même celui qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ici, il y a eu un choc émotionnel. Et manifestement, ce choc émotionnel a été transformé, a été amplifié. L'effet boule de neige et les effets de levier que Internet permet ont fait circuler très très vite et ont amplifié très très vite tout ça. Alors c'est plutôt toxique ? L'usage qui, en effet, dans ce cas-ci, est plutôt toxique. Mais on peut citer plein d'autres usages où l'effet des réseaux sociaux a été très, très bénéfique. Donc, c'est toujours l'usage qu'on en fait qui va déterminer le caractère positif ou le caractère négatif de la circulation de l'information sur les réseaux sociaux. Que ce soit des débordements des manifestants ou encore d'automobilistes agacés qui foncent sur des piquets, il faudra dorénavant tenir compte de l'influence des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux qui rassemblent et qui répandent une information ou une rumeur plus vite que jamais.